Dieu, viens à mon aide. Du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi de la deuxième semaine de l'Avent, lus par la sœur Patience Conouté de la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le diacre Achille Alaglo de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Alessi Ikabo de la Société des Missions Africaines. Thank you.
Lecture du livre du prophète Isaïe au chapitre 40, versets 1 à 11. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Une voix dit, proclame, et je dis, que vais-je proclamer? Toute chair est comme l'herbe, toute sa grâce comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, quand passe sur elle le souffle du Seigneur. Oui, le peuple est comme l'herbe. L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance. Son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Racontez à tous les peuples sa gloire, allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Il gouverne les peuples avec droiture. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Joie et ciel exultent la terre. Les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Il est proche le jour du Seigneur, le voici qui vient nous sauver. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Saint Matthieu, au chapitre 18, versets 12 à 14. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons aujourd'hui saint Ambroise, évêque et docteur de l'Église. Et l'Évangile porté à notre méditation nous parle de l'attention accordée à la brebis égarée. En effet, Dieu est amour. Et dans son amour infini, il créa l'homme à son image et l'adopta pour fils. Saint Jean, dans sa lettre, écrit ceci. Voyez que l'amour nous est donné le Père. Nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Abondant dans le même sens, saint Paul, dans sa lettre aux Romains, affirme que nous avons reçu un esprit de fils. C'est lui qui nous pousse à l'appeler Abba, c'est-à-dire Père. Mais de son côté, en réalité, l'homme a tendance à s'esquiver de la paternité divine pour se tourner vers les créatures et vers les idoles. Ce qui s'est passé dès le commencement se répète continuellement au cours de l'histoire. Dès lors, après avoir péché, Adam et Ève se cachèrent de Dieu parmi les arbres du jardin. Mais dans son amour miséricordieux, Dieu alla à la rencontre de l'homme, comme le berger à la recherche de la brebis égarée. Car l'amour de Dieu est sans exclusion, embrasse tous les hommes, mais en premier lieu, les pauvres, les abandonnés et les petits. Jésus l'a rappelé en conclusion de la parabole de la brebis perdue. Ainsi, on ne veut pas, chez notre Père qui est aux cieux, qu'un seul de ses petits ne se perde. Le Christ qui s'était fait pauvre a voulu s'identifier à tout pauvre. Au jugement dernier, il dira au juste, « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il est vrai qu'on est pauvre quand on manque de biens matériels. Mais on l'est également quand on a faim de Dieu, quand on a soif de sa parole, qui est la source de la vie spirituelle, comme l'a dit le pape Jean-Paul II. Il existe une autre pauvreté tout aussi grave. Elle consiste dans le manque, non de moyens matériels, mais de nourriture spirituelle, de réponse aux questions essentielles d'espérance pour l'existence. Cette pauvreté qui affecte l'esprit provoque de très vives souffrances. Nous avons sous les yeux les conséquences souvent tragiques d'une existence vidée de son sens. La réponse à cette pauvreté, nous dit encore le pape,
c'est l'annonce traduite par des actes de l'Évangile qui sauve, parce qu'il répond amour et miséricorde de Dieu. C'est en dernière analyse la fin de Dieu qui dévore l'homme. Dans cette œuvre d'évangélisation, comme disciples de Jésus, nous devons laisser la priorité aux pauvres, harassés et prostrés comme des brebis qui n'ont pas de berger. Porter notre attention sur tout ce qui menace, affaiblit, diminue et détruit la vie matérielle et spirituelle des individus, des groupes et des peuples. Tout comme Jésus en son temps qui s'opposa aux forces du péché et de la servitude, l'Église d'aujourd'hui a pour tâche de lutter en permanence contre tout ce qui a servi l'homme. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.